Et salut les amis, c'est Kevin Unverse et on se retrouve pour une petite vidéo présentation d'un jeu que je viens de m'acheter. Donc, j'ai craqué pour Dead Space 1, je l'ai fini. Il était vraiment horrible mais génial. Donc j'ai pas pu résister, il a fallu que je me paye le 2 et le 3. Alors bon, je sais, j'arrive après la cinématique. Je pensais pas faire une vidéo dessus pour l'instant, mais faut vraiment que je vous montre ça parce qu'on rentre déjà dans le bain. C'est parti. Cours! Alors je vous précise, je suis qu'au début du jeu et ça commence déjà. Cours! Avec sa camisole, cours plus vite! À gauche? Ah oui, à gauche! Cours! Alors on se retrouve donc 3 ans après le... Ah, les événements d'Ishimura! Il m'a eu! Oh! Donc comme je vous le disais, 3 ans après l'événement d'Ishimura, où on a commencé à rencontrer les nécromorphes. Oh, il y a une tête de nécromorphe. Donc épisode 1. Je sais pas combien il y en a pour le, dans celui-là. Il n'y a pas un moyen pour que je reprenne de la vie parce que là, je suis presque mort. Donc comme je le disais, 3 ans après l'incident d'Ishimura, on a battu la reine mère. Bon ça, je vous ferai le let's play dessus façon, mais je vous explique un peu pour que vous situiez un peu l'histoire. Donc là, on est dans une station spatiale. Je crois que sur les anneaux de Saturne, comme ils l'ont dit. Bon, on va déjà sauvegarder. Ah, elles sont beaucoup plus stylées, les sauvegardes ici. Mais déjà, vous avez vu, on rentre déjà dans le bain. À peine, quoi, 10 minutes de jeu, le temps de faire la cinématique, on a déjà des nécromorphes. C'est dingue, c'est horrible. Et moi, je vais mourir. Ah, bonjour, vous pouvez me retirer cette camisole. Non. Mais retirez-moi ce truc. Ah, ils sont dans les canalisations. Ils sont dans les canalisations, les amis. Alors oui, le 1, maintenant, je connais, mais le 2, j'ai jamais testé. Mais si vous arrêtiez de faire des expériences sur les formes de vie extraterrestres, on n'en serait pas là, dans Dead Joy. Ça va pas se passer comme ça. Attends que j'ai une arme. Et déjà de la vie, parce que punaise. Je suis presque mort. My God. Et c'est que le début. Salle d'observation. Ouais, ben... Comment je me soigne, moi? Ah, il y a du sang partout, les amis. Ça commence déjà très fort, mais vraiment très fort. Dans le premier, ils nous ont laissé, quoi, une bonne dizaine de minutes pour nous préparer. Là, c'est directement dedans. Bon, c'est peut-être pas par là. Alors, j'ai pas encore trouvé le traceur. Très sombre, avec du rouge qui brille. Des symboles qui m'en parlaient. Qu'est-ce que ces symboles, j'ai donc à vous dire. Je disais des choses étranges. C'était qu'un fragment. Non, mais il m'a retourné le cerveau, il m'a foutu la merde dans ma tête. J'arrive plus à me concentrer. Qu'on va tous se faire bouffer pour la deuxième fois consécutive. Ah, je vois à l'arrière qu'ils ont gardé la stase. Remettez Strauss en état de stase, augmentez donc sa dose à 30 mg.
Et nous resterons avec lui tôt demain matin. Je veux de la santé, s'il vous plaît. Le sujet est Nolan Strauss, session 158. Comment tu veux survivre s'il y a des nécromorphes alors que là je vais littéralement me faire bouffer? Quelqu'un peut me retirer cette... Bonjour. Retire-moi ce truc, toi, s'il te plaît. T'es stressant, toi. Ta gueule, écoute-le! Vite, enlevez-moi cette camisole. Personne ne sort d'ici vivant. Personne. Non, 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 non! Mais tu te fous de ma gueule, toi! Ce que j'ai fait, on se calme, d'accord? Ressaisissez-vous. Oui, ressaisis-toi et va nettoyer le sang sur ta camisole. Bon, il sort. Et un rouge. Oui. Chacune de soi et une torche dans ce casier. Non, on a une lampe de poche. Vous avez qu'à les prendre. Ah, c'est vrai que j'ai pas encore lu le manuel, les amis. Allez-y. Oui, vas-y, vas-y, trousse de soins. J'en ai plus besoin maintenant. Mini kit de soins. Premier soin. Ah, ça déjà mieux. Isaac, on va tous mourir pour ce qu'on a pu te faire. Hein? Ouh, ouh. Ah, ah. Ah, je crois qu'il se transformait. Ça va, c'est bien, meurs. Ça, c'est pour la frayeur que tu m'as fait, nom d'adieu. Alors, bon, maintenant, on n'a pas une arme, mais une petite lampe de poche. Je vais pas vraiment me défendre avec ça, j'ai l'impression. Ah, nickel, on a le traceur. Alors, ah, stylé, l'inventaire a changé un petit peu. Bon, c'est toujours le même principe. Alors, sortir de l'hôpital, ça recommence. La panique, la terreur, comme sur l'Ishimura. Je dois partir d'ici. Non, je veux pas, je veux rester dans mon lit. Je veux rester dans mon lit. Croyez-moi, les amis, une fois qu'on a fait... Clark. Bonjour. Isaac Clark, c'est bien vous? Oui. Je m'appelle Dana, je suis là pour vous sauver. Oh. Que se passe-t-il? Non. Unique de démence, Isaac. Vous l'avez contracté sur le 17. Comment vous savez? Qui vous dit tout ça? La maladie va vous tuer. Si vous pouvez venir, je peux vous soigner et vous protéger. Pourquoi vous faire confiance? Je veux bien me soigner, mais... Merde. Regardez la voix que j'indique. Je n'ai pas confiance du tout! Dans ce genre de jeu, faut faire confiance à personne. Ah, c'est stylé maintenant les interfaces. Alors, c'est la première fois qu'on entend Isaac parler. Dans l'autre jeu, je crois qu'il fermait sa grande bouche sur tous les épisodes. Ah ben voilà quoi, elle va nous servir, la petite lampe poche. Alors, traceur. Oui, je connais, merci. Alors ça, ça n'a pas du tout changé. Oui, je t'ai vu à travers la porte. Oui, je t'ai vu. C'est stylé comment ça fait ce truc. Bon, tu ne sors pas de là, tu te laisses. Alors, orienter la torche. Ah, mon dieu de merde, les amis. S'il y a une lampe de poche, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de parties sombres. Je suis bloqué par quoi? Par un bureau. Ah! C'est pas contre vous, mais l'expérience m'a appris qu'il vaut mieux décapiter quelqu'un qui est mort. Ah! Désolé si j'ai gueulé, mais je m'y attendais pas du tout.
C'est excellent. Franchement, ceux qui ont jamais fait Dead Space, les amis, testez. Testez-le. Oh my god. Transmission. Appuyez sur Select. Rapport procédure service 1418. Nous nous sommes récemment rendus compte que le bateau négatif a été fait depuis un an sous la forme de monolithe. Ah ouais? Nous avons décidé de rechercher des phénomènes similaires. Nous avons trouvé. La forme du monolithe apparaît sur des bouteilles, des aiguilles de seringue et bien même sur des coupons et des pinces à épiler. Nos équipes ont été prévenues de ces découvertes. Ouais, en gros, ils sont tarés du monolithe, si j'ai bien compris. Ils vénèrent un gros caillou, alors il y a des petites infos qu'ils expliquent dans une vidéo récapitulative, mais qui n'expliquent pas vraiment dans le jeu. En fait, je pense que ça se passe en 2000 ED, je sais plus vraiment quelle année. Et en fait, les ressources terrestres sont quasiment épuisées, et donc ils ont créé des brises surface pour aller chercher du minerai. Sauf que ils ont été sur Aegis 7, donc la planète des nécromorphes, mais ils savaient pas ce qui les attendait. Et donc le monolithe, il paraît que c'est créé par les humains pour contrôler l'épidémie. Mais bon, vous l'avez bien sûr deviné, ça va pas se passer si bien qu'on ne l'imagine. Hein. Non, je veux pas prendre une petite douche, merci. Ah, on s'est pas cassé les cadenas comme ça. C'est pas The Evil Within. Oh, oh, oh. Oui. Isaac, c'est mon nom. Ça va faire un peu comme Fear, j'ai l'impression. Le personnage, il va péter un peu les boules. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Il y a des phases où on peut ramper, c'est nouveau ça? Ah! Il y en avait un! Je vais pas aimer, c'est parti là, les amis! Ah, une lumière! Ouais, je préfère regarder derrière moi, on sait jamais. Croyez-moi, l'expérience du Dead Space 1 m'a appris qu'il faut regarder partout, mais vraiment partout. Oui, ça va, je stresse, mais ça va. Moi non plus. Alors, chirurgie macropique, fixation active. Ah! Oh, j'adore comment il désactive. Ah, le macropéka qui est en fait la télékinésie. Alors, ça c'est nickel, on peut de nouveau les balancer contre les trucs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sert à rien. Donc, consultez votre érigé, quoi, voilà. Alors, suivre l'itinéraire, il y a des soldats qui essaient de me tuer ici. On dirait qu'ils veulent effacer toute trace de cet endroit, moi compris. Mais j'en ai vu qu'ils n'étaient pas soldats, ils doivent travailler pour cette femme d'Aina. Ils veulent me sauver, je vais suivre ces indications pour sortir d'ici. Indications, les amis, qui j'espère nous seront salutaires, parce que là, on a vraiment rien pour se défendre. D'habitude, la fois passée, on a commencé le jeu avec un petit cutter. Oh, elle casse la vitre. Bon, on sait pas. On a commencé avec un petit cutter plasma. Alors, je sais pas dans celui-ci les armes, parce que, comme je vous dis, je découvre un peu. Je vais essayer quelque chose. Ah ah! Oh, 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 ah, ah. Dégage. Aïe. Non, mais t'es pas sérieux.
Mais j'ai pas une seule, bon Dieu, d'arme! Tu me demandes de taper des nécromorphes, j'ai pas d'armes! J'ai pas d'armes! Mais j'ai vraiment pas une seule arme! À part les cadavres des ennemis, j'ai rien! Bon, toi, viens ici. J'ai une griffe de nécromorphe, j'hésiterai pas à m'en servir si nécessaire! Attention! Ouais, toujours faire gaffe aux canalisations, les amis. Toujours faire gaffe aux canalisations. Ben. Donc, c'est sur ces nouvelles frayeurs que je vais arrêter la vidéo ici. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à partager ma chaîne, à mettre un like. Dites-moi si vous aussi, vous avez déjà joué à Dead Space. Si oui, lequel ? Si vous avez déjà joué, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, sans spoiler bien évidemment, des informations genre il y a un objet par-ci, un objet par-là et tout ça. Ça me serait super utile dans ma nouvelle quête, Isaac Clarke versus Necromorph. De nouveau, mon Dieu, de nouveau les Necromorphs. Enfin bref les amis, je vais... également peut-être faire une petite vidéo sur le 3. Bon, je sais pas si je vais la faire aujourd'hui parce que là, je vais me lancer un peu dans le 2. Et comme je pars chez ma copine du week-end, je sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos. Alors, le Let's Play One Piece Pirate Warrior 2 revient bien évidemment très bientôt. Là, j'étais occupé à tester mes nouveaux jeux. Donc, c'est pour ça que j'ai pas sorti beaucoup d'épisodes de ce jeu. Alors, je crois... que le prochain Let's Play, j'hésite. Ou bien je fais Darksiders, ou bien je fais Dead Space. Parce que c'est vraiment un jeu super. Il fait flipper sa race, mais il est excellent. Moi qui disais que Fear, ça faisait peur, je crois que j'ai littéralement monté d'un cran avec Dead Space. Et vous verriez le boss final, franchement, c'est horrible. Alors ici, je sais pas ce qui m'attend. Là, j'ai juste ma petite lampe de poche, mon pouvoir de télékinésie et mon traceur. C'est tout ce que j'ai pour survivre. Le traceur qui sert à rien à part montrer l'objectif d'ailleurs. Alors, je vais essayer de survivre dans l'espace une nouvelle fois. Et bien sûr, le let's play arrivera quand j'aurai fini le jeu. Donc le premier, je l'ai fini. Donc le let's play arrivera très bientôt. En tout cas, c'était Kevin Unversed. Moi je vous dis, ciao les gens.